Maldicast est de retour. J'imagine que tu as établi un verdict pour l'Atlantide. Tu as dit que tu avais interdit les expérimentations sur les humains. C'était un tissu de mensonges. Les Issou font n'importe quoi. De quoi parles-tu? Mes règles sont absolues. Et tous doivent les respecter. Tels sont mes édits. Tes règles ne servent à rien. Des gens souffrent sous ton règne. Et tu ne t'en rends même pas compte. Personne n'aurait l'impudence de me désobéir. Il s'agit sûrement d'une erreur. Tu devrais l'écouter, tu sais. Impossible! Tu n'as pas le droit d'entrer dans la cité! Garde! Tes gardes ont du respect pour tes fils. Et quand tu as nommé cet hybride Dicaste, tes fils se sont... Même mes fils refuseraient de s'incliner devant un belliciste! Qu'on le veuille ou non, les humains amènent la guerre, Poséidon. Ils ont raison après ce que vous avez fait. Tu veux dire ce qu'ils nous ont contraints à faire? Poséidon s'inquiète à propos du Soleil et de son projet de régénération florale solaire. Une catastrophe approche. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais il n'existe qu'une catastrophe. L'humanité. Aïta n'est pas digne de confiance, c'est un fou! Si tu savais quel monstre il tient enfermé dans son antre secret. Secret pour Poséidon seulement? Ma femme était au courant de tout. Hybride, le projet Olympe est mon idée. La fin d'un cycle de l'Atlantide n'est pas nécessairement une catastrophe. C'est pire que ça. Nous avons détecté des modifications à la surface du Soleil. Si nous ne faisons rien... Si nous ne faisons rien, les humains nous tueront tous. La seule catastrophe écologique que nous devons affronter est celle que nous avons créée. À mon arrivée ici, Poséidon a dit que j'étais chez moi. Qu'on me dise ce que je fais vraiment ici. Vite! Quelle tristesse. Elle est encore plus humaine que je l'imaginais. Aïta, réponds-lui. Volontiers! Tu représentes une opportunité. Imagine ce qu'apporterait la duplication de ta forme hybride. Nos technologies pourraient permettre de contrôler ton esprit. Toi, hybride, on peut t'utiliser pour fabriquer l'arme suprême de Junon. Ou plutôt, on aurait pu. L'expérience de mon époux était prometteuse. Mais après observation, nous avons décidé que tu étais un échec. Notre nouvelle arme est bien plus meurtrière que tu aurais pu l'être. L'Hécatonchir. Aïta, tu n'as pas... Aussi. L'Hécatonchir va se lever. Le projet Olympe va infliger une telle frayeur à l'humanité qu'elle ne songera jamais à se révolter. Et tu vas nommer mon mari Dicaste Basileus. Empêche cela, Dicaste. S'ils réussissent, nous sommes condamnés, tous! Il faut que tu me croies. Débrouille-toi sans moi, je ne suis l'arme de personne. Cassandra, je t'en prie. Il est trop tard! L'opération a été un succès! L'Hécatonchir est vivant. Tu ne l'entends pas s'agiter? Tu as fait ça dans mon laboratoire? Sous le palais? Vu ton interdiction des expériences sur les humains! Mais... c'est quoi ce bruit? C'est... votre arme? Je vais me charger de ces deux-là. Mais il faut que tu arrêtes les Hécatonchir avant qu'ils nous tuent tous! Va!
Des expériences d'Aïta. Il faut que je reste à l'écart.
honorer le mort, un grand disciple. Remarquable. Tu incarnes vraiment le meilleur des humains et de mon peuple. Où sont Junon et Aïda? Enfermés, pour l'instant. Mais ils recommenceront. Si les emprisonner ne sert à rien, alors laisse-les dans une salle avec moi. Je ferai en sorte qu'ils... Qu'est-ce que cela prouverait? Que tu es aussi cruel que Junon et son mari? Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je veux arrêter ça, et sauver ceux qui ont souffert de votre orgueil démesuré. Alors, finalement, tu es bien parvenu à un verdict pour l'Atlantide. Très bien, Dicaste. Tu as toujours l'appareil de Cerbère. Je ne t'ai pas tout dit au sujet de ton bâton. C'est bien une passerelle entre tes deux identités, mais... En l'associant au pouvoir des appareils que tu as pris sur Cerbère et sur les Catanchires, nous pouvons mettre fin à jamais au cycle de l'Atlantide. Je n'ai pas seulement éveillé mon sixième sens. J'ai déverrouillé le pouvoir permettant d'anéantir une cité. En de mauvaises mains, ce bâton est capable de tout détruire. C'est pourquoi toi, et toi seul, peux en être la gardienne. C'est à croire que tu savais ce qui se passerait. Toi, cela fait de nombreux cycles que j'attends le verdict final pour l'Atlantide. J'aurais aimé qu'il vienne plus tôt. Pense aux souffrances qui auraient pu être évitées. Mais alors, tes fils et toi? Ma famille a eu des générations pour faire preuve de bonté, d'humilité et de modération. Elle s'y est refusée, et nous avons ainsi autant décidé de notre sort que toi. Les humains de la cité ne méritent pas la mort. À ce moment, les cornes retentiront, et les animaux seront libérés. Les humains de l'anneau de Porimos sauront qu'ils doivent rejoindre leur bateau. Ne crains rien, ils pourront partir. Si je suis dans la cité quand elle sera engloutie, je mourrai aussi. Non. Tu es la gardienne du bâton. Il te protégera. Malheureusement pour toi, ton heure n'est pas venue. Tu l'as dit toi-même, Junon et Aïda recommenceront. J'ai vu ces laboratoires et les expériences. Il n'y a qu'un moyen de faire cesser les souffrances, détruire cet endroit. Thank you.
Mon seul regret est d'avoir manqué de temps pour apprendre de toi. Tu aurais pu m'enseigner à devenir plus humain. Kéré, Poséidon. Gardienne du bâton, tes épreuves sont terminées. La salle des trônes. Dis-moi, comment te sens-tu après avoir été témoin du sort de l'Atlantide? Grâce au bâton, j'ai le pouvoir de détruire une cité entière. C'est pourquoi on t'a accordé la capacité de maîtriser ce pouvoir. Il n'y a qu'entre tes mains que le pouvoir destructeur du bâton demeurera caché. À quoi ça rimait, tout ça? Tu n'as fait que ressentir des échos de souvenirs, déformés, mais néanmoins réels. Les souvenirs de qui? Des Issou. Une partie était les miens. Lorsque j'étais dicaste, j'ai moi aussi tenté d'apporter l'équilibre dans l'Atlantide, mais ça n'a pas suffi. Toi? Oui, avant toi. Mes épreuves m'ont forcé à revoir mon grand-père, Phoïbé, Brasidas et même Elpenor. Et tu as ainsi appris une grande leçon. Le bâton a le pouvoir de prolonger la vie. Tu ne dois pas en user sur autrui. Tu dois apprendre à accepter, à dire adieu régulièrement, en laissant la mort emporter qui elle veut. Ils étaient... réels? Ils t'accompagnent en permanence. Alors oui, le moment venu, tu devras les laisser partir, mais lors d'une autre épreuve. Mes épreuves dans l'Élysée ont causé la destruction et la révolte. Par la faute de Perséphone, pas la tienne. Elle imposait à son domaine un ordre trop rigide. Ce qui t'a amené à comprendre que son règne était condamné à l'échec. Les enfers étaient... un lieu totalement plongé dans le chaos. En effet. Hadès était un monarque ouvert au chaos et à la dévastation qui l'accompagne. Mais sache que tu seras amené à endurer des souffrances bien pires avant ta mort. Il n'y avait rien à espérer de l'Élysée et des enfers. Mais j'ai cru que Poséidon et moi pourrions faire quelque chose pour l'Atlantide. La nature des Issou, leur tard. J'ai vu un nombre incalculable de fois cet écho de souvenirs, et mon foyer finit toujours détruit. Je suis prête à partir. Tu viens? Nos sorts sont entremêlés, après tout. Tu as vu Perséphone régner par l'ordre, Hadès par le chaos, et tu as même, d'une certaine manière, eu l'occasion de diriger dans l'Atlantide. Ça a été un désastre. Tu as constaté qu'aucun chemin ne menait la gardienne au pouvoir. Le bâton t'accorde la capacité de mettre ce monde à genoux, mais ce n'est pas ton rôle. Tu dois te servir de ta force pour limiter le pouvoir du bâton, le restreindre, le garder. Ma mère m'a dit un jour que j'avais été envoyée par les dieux pour protéger ce monde. Je le lui ai promis. Et aujourd'hui, je t'en fais le serment. Et qu'en est-il de toi, héritière des souvenirs? Tu dois t'éveiller et te racheter avant qu'il ne soit trop tard, ou tu seras celle qui condamnera ce monde. Allez! Éveille-toi, V! Allez! Vite!
Où es-tu ? Leila, Sam, on parle toute seule ? Visiblement, l'artefact Issou a eu beaucoup d'effet sur vous. Vous perdez la tête. Monsieur Berg, vous voilà enfin. Très impressionnant. Je savais que si quelqu'un pouvait découvrir cet endroit, c'était vous. Mais vous avez quitté Abstergo avant qu'on vous confie cette mission. Sigma 6 l'a trouvé sans difficulté en écoutant nos communications. On savait que c'était vous. Exact. Ce que vous ignorez, c'est que j'écoutais depuis bien plus longtemps. Depuis votre découverte de l'ouvrage d'Hérodote, dans des recherches sur des vestiges des Templiers que vous avez sûrement pillés. Abstergo est une bande de meurtriers, et vous n'êtes que leur bras armé. C'est votre point de vue. Mais qu'en est-il de l'équipe Sigma que j'ai envoyée à votre recherche? Tous sont morts. Écoutez. J'ai vu votre dossier dans la base de données d'Abstergo. Je suis au courant pour Elina. Si vous saviez ce que le bâton peut faire pour elle... Je vous interdis de parler d'elle. Comme vous voudrez. Je vous proposais un compromis. Il n'y aura pas de compromis. Je vais emporter l'artefact. Vous, Diana. C'est moi que vous auriez dû viser. Vous avez toujours été la suivante sur la liste. Aujourd'hui, ce sera réglé. Vous êtes une pauvre ordure, Otso. C'est terminé. Certes. Dehors, le monde touche inévitablement à sa fin. Peu importe dans quel camp on est, désormais. Allez ! Donnez-moi le bâton. Ça compte encore. Je serai toujours un assassin. Et si vous voulez le bâton, il va falloir venir me le prendre. À propos du bâton. Un peu de décence. C'est... l'immortalité. Toujours aussi mesquine. Le truc, Monsieur Berg, c'est que je me fiche que vous creviez. Du moment que je suis débarrassé de vous. Admettez-le, les Templiers ont perdu. Réfléchis, Leila. Plus de communication. Comment demander de l'aide ? Je regrette tellement. On sera de nouveau ensemble. Un jour. Tu te rappelles la fois où on était saoul et où t'as voulu danser, mais je... La prochaine fois, j'accepterai, crois-moi. Et je te promets d'aimer ta cuisine pourrie. Il y aura une prochaine fois, pas vrai ? Ton oreillette.
Quelqu'un m'entend ? Victoria, on a essayé de faire passer les communications. On a perdu les signes vitaux de tout le monde et ensuite... Alana. C'est moi. Leila ? Mais... c'est le canal de Victoria. Où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? T'as terminé les épreuves ? Oui, on a le bâton. J'ai bien fini les épreuves, mais... C'est incroyable. Un authentique artefact Issou, maîtrisé par les assassins ? Ça change tout, ça ! Je ne maîtrise rien, Alana, et rien n'a changé. L'illicite, c'était Otzoberg. Il est dans la salle des trônes avec moi. Je t'expliquerai tout, mais les Templiers savent ce qu'on fait, et ils sont à nos trousses. Il faut que tu me sortes de là. Avec toi ? Tout va bien ? On s'est battu. Il est HS, mais stable. Ne me demande pas de vérifier comment il va. Tu l'as... pas tué ? Non. Il est vivant. Tiens bon, Leila. On va venir te chercher, mais ça risque de prendre du temps. Qu'est-ce que tu comptes faire ? D'ici votre arrivée, Limus, il y a des tas de gens à qui je dois faire mes adieux. Qu'est-ce que c'est que ça ?